Ils ont reçu tout le monde, on se retrouve pour une toute petite vidéo. On va, je vais faire du RP sur le Vampire RP et je vais jouer donc le personnage Frédéric Jokov. Donc nous sommes des paysans de base, nous avons créé un village et je commence à avoir du monde, donc je vais jouer le rôle de roi. Pas ça, mais donc vous allez. Ouais, oui, monsieur. Allez dire ça. Hey, les gars, il y a un nouveau. Qui? Oui, monsieur, bonjour, qu'est-ce que vous souhaitez? Absolument rien, je regarde, je me promène en ce moment. Clovis Droscar, non. D'accord. C'était pas un an, toi ? Bah voilà, on s'installe ici, on mène notre petit commerce, voilà, tranquille. Ouais, je vois. Mais ça vous pose un problème, monsieur ? T'inquiète pas, maintenant, nous sommes présents. C'est bien, gens de la sécurité. Nous allons donc agrandir la ville. Tous ceux qui sont capables de construire, venez. Ah, il a disparu. J'ai fait ouais, tu reviens en quoi? Tu reviens en fermier en quoi? En fermier. Ah, parce que j'ai fait un gosse avec lui. Non, non, c'est cool. Ok. T'inquiète, on va en profiter pour les. Vas-y, bah, tu peux aller chercher un peu de. Non, un peu d'argent pas, pour faire des tests. En plus, si tu reviens en dragon, c'est-à-dire que tu vas faire. Oh, comme de par hasard, je vais. Ah, bah, y'a des là. Ah, bah, bizarrement, j'ai trouvé. Je suis dans l'ancien royaume, j'ai l'eau bénite. En effet. Mais vous savez, c'est pas grave. Très bien, si je vous ai réunis ici, c'est pour faire des votes, des choix et de futures lois. Donc, la première chose est que je suis maintenant roi de ce village. Nous devons donc trouver un nom au village. On n'avait pas dit tous égaux ? Non. Donc, je suis le roi et une personne sera. Laisse-moi parler par après, laisse-moi parler après. Je n'aurai pas tous les droits, je serai juste roi pour qu'il y ait. Un chef pour aider s'il y a des problèmes. Donc nous allons élire un deuxième régent, une sorte de maire qui aura certains pouvoirs, mais les pouvoirs seront donc dispersés. Ouais. Tous ceux. Attendez, j'aimerais parler rapidement. Nous, vous n'avez pas de bouffe. N'oubliez pas que les fermiers sont ceux qui nous rapportent le plus d'argent. Ils auront donc quand même un peu des droits et de défense. On n'avait pas intérêt à embêter les fermiers. Nous allons donc d'abord, moi je me présente. Ceux qui se présentent pour être maire, lèvent la main. Je suis gérant de la trésorerie du village. Ça a toujours marché comme ça. Un roi dirige une cité. Non, nous sommes gardes. Gardes. Y a pas un sénat, des sénateurs et autres. Non, ouais. Nous sommes gardes, pas des gérants. Votez pour moi. Politique. Alors. Écho, Lampro, je dis tout, pourquoi vous devriez être la deuxième personne avec le plus de droits. Pour pouvoir vous donner plus de nourriture. Et ça, on fera des partages en termes de l'argent pour tout le monde égo. Nanar, dites-moi pourquoi vous voudriez être le maire. Tout simplement parce que je suis Pour pouvoir mieux gérer de ce village et que j'ai vu tout le monde arriver ici les uns après les autres. Voilà, c'est vrai, on fait partie des premiers qui sont arrivés ici. Et vous, Franck? Partie des premiers à être moi aussi. Moi, tout simplement, si je devenais maire, je donnerais des pouvoirs à plusieurs personnes, car je pense qu'une assemblée est plus forte qu'une seule et unique personne. C'est vrai. Moi, je suis Stel. Vas-y, je vote Franck. Allez, silence. Votez Franck National. Allez-y, Thoron. Laissez-moi parler. Pas, genre, moi je sais qu'il y a par contre la création de ces villages, c'était la première qui a donné à manger. C'est moi qui vous a nourri. Taisez-vous maintenant. J'ai fait la vie. Et même que j'ai vu le roi faire des choses avec un roi maintenant qu'on y pense. Silence. Je suis normalement. Silence. Donc, le prochain qui parle sera arrêté là. Que je crois que je comprenais pas tout. La chemise des tonnes de regard. Il a insulté notre village sacré. Pas loin de ça, ma droite. Il a insulté notre village sacré. Silence. Taisez-vous, mon sang. Non mais je n'ai jamais fait ça. Bon, arrêtez le prochain qui parle. Donc taisez-vous tous et écoutez. Très bien. Donc ceux qui veulent voter pour Nanar en tant que maire, lève la main. Ouah. Allez, ça fait une voix pour Nana. Ceux qui veulent pour Nana. Pourquoi vous avez
Vous n'avez pas compris pourquoi vous avez quelque chose dans la main droite ceux qui veulent voter pour Franck. Ah, moi en plus je te regarde pas, tu sais. Personne regarde, qui veut là. Faire un parlement, je lève côté, la main. Mec. Je suis de côté. Ouais, justement, je te parle pas, je fais exprès. Genre. Encore des gauchistes. Deux voix pour Franck. Oui. Ceux qui veulent voter pour Torrent, on lève la main. Moi je fais exprès de. Tu vois là, je te tourne le dos. Non, d'accord. Elle est bonne colis. Et ceux qui veulent voter pour notre prêtre, lève la main. Levez tous la main, levez tous la main. Ça sert à rien, y'a pas d'enfant. Ok. Deux voix pour le prêtre et deux voix pour Franck. Trois voix. Le prêtre devient donc. Mais non, c'est Nanar, il avait plus de voix. Il en avait trois. Non, il avait qu'une voix, Nanar. Non, il avait trois. Non, mais moi, tu enlèves ma voix. Franck. Ouais, pour Franck. Donc. Je suis pour le soi-disant envoyé de. Mais non, pas Franck. Bon, tous les prêtres, allez à droite. Tous ceux pour le prêtre, allez à droite. Tous ceux pour Franck, allez à gauche. C'est qui le prêtre? C'est Cascobi. C'est Cascobi. Franck! Tu veux parler, mon roi Frédéric? Parlez, Franck. Allez. Oh, ne fais pas chier, c'est bon, t'as gagné. Cascobi, parle-toi s'il faut que tu fasses un dialogue. Non, je ne parle pas de gagner seulement. L'église règne sur plusieurs royaumes et vous voyez bien ce que cela donne. Pourquoi écoutez, ne pas par exemple, essayer de sauver quinquennat? Vous voulez une excommunication? Ça veut dire que l'église à notre santé. Vous voulez peut-être que l'église arrive jusqu'à et que tout. J'arrive pas à les manger. Oula, il y a menace de mort. Je dis seulement. Plusieurs pays. Silence. Pour l'instant, ça n'a pas porté réellement Franck. Ses fruits. Toute personne ne respectant pas les règles et insultant le village sera douté. Allez, d'une amende. Ravel, allez rechercher tout le monde. Nous allons faire un autre vote. Vous allez avoir une place après, mais pas maintenant. Femme. Très bien. Donc nous allons. C'est macho. C'est ma femme. Alors nous allons voter le nom de la du royaume. Nous sommes une monarchie parlementaire. Nous avons un parlement, un roi, mais il nous faut un nom. Donc proposez les noms puis votons. Allez-y, Rave. Dès que tu t'approches de moi, mec. Moi je propose de trouper un but parce que c'est un petit peu un lien avec notre village parce qu'on est caché. Le royaume est perdu. Non c'est nul. Allez, oui Nanar. Le royaume florissant. Un vrai nom. Un nom qui est un vrai quoi. Regarde, j'ai trouvé un bon nom. Un vrai nom. Le royaume de Bromar. Le royaume de Bromar, je note. Le royaume d'Elmore ou de le Bromar. Royaume d'Elmore. Non. Attendez, on a un arbre au milieu du village. Non, dans Delmore, il y a super vieux, on pourrait peut-être s'en servir. Le royaume du Mojo. Le royaume du Mojo. Tous ceux qui votent pour le royaume du non, Mojo, Mojo lèvent la main. C'était trop troll. C'était... Non, attendez, le royaume du Mojo, faut dire non. C'est pas très local ça, okay. C'est pas grave. Tous ceux qui votent pour le royaume du Mojo. Tous ceux qui votent pour le royaume d'Elmore lèvent la main. Ça c'est un peu con comme idée. C'est mon show. Vas-y, à chaque fois, avec qu'est-ce que. Tous ceux qui lèvent. Tous ceux qui veulent le royaume Bromar lèvent la main. On va faire de Mojo. Moi je dis c'est le royaume d'Elmore qui a gagné. Franck non, fais un Mojo, vote entre le royaume oui, d'Elmore et le royaume gagné. Du Mojo. Franck maintenant c'est un nom à proposer. Oui, allez-y. Vu qu'il y a Bran qui a lancé un royaume, pourquoi pas le nouveau royaume? Non, c'est nul. Et vous, Michel? mon prêtre Michel, à vous de trouver un nom. Michel, dis un nom, Salchag, je te parle. Le royaume d'Elmore. Maintenant qu'on. Qu'on bien le royaume d'Elmore. Je demande autre chose que des fruits là, j'aimerais bien bouffer un petit gigot. Fais genre un constructeur, je sais pas quoi, et lui il va te mettre ta belle chaise de roi. Bien, donc. Bah non, c'est après, bon, c'est aura, le Mojo, c'est le royaume du Mojo. Le royaume du Mojo est pris. Mon nain va vous dicter les nouvelles lois et ouais, vous pourrez demander à en choisir. Allez-y, nain. Et comment t'es monté là-haut? Swap. Avec le game voici peut-être notre tente pour nous réunir. Excusez-moi, si vous n'arrivez pas à manger. Non, l'église ne dorme pas. Eh bien, je suis garde de ce village. Ça veut dire que je nourris depuis au moins un an, hein, maintenant.
Ah oui, il y aura des règles au loup-garou. Quelqu'un a mangé. Pour commencer, il y aura des règles. Vous devrez respecter les fermiers. Ils sont ceux qui nous rapportent.